very much, Mr. Chairman. Since all through the previous panel discussions we've had,
de l'ISRA. Voilà, mon intervention sur la sécurité, sur la transformation économique et la protection sociale. Je voudrais juste dire qu'on ne peut pas parler de commerce alimentaire sans parler des obstacles techniques au commerce, les OTC. Or, les OTC sont principalement régis par des exigences normatives. Donc, la participation de nos pays pour l'élaboration, durant l'élaboration de ces normes-là est très importante. Or, l'Afrique est souvent absente dans les instances comme le Codex, où les gens travaillent en groupe et parviennent souvent à proposer des normes qui sont adoptées et qui deviennent des références à l'échelle internationale. Donc, il est important pour les autorités de penser à renforcer la présence africaine, en tout cas, et une présence concertée, parce qu'en général, l'Union européenne et les autres pays qui vont et vont pour la voix et représenter toutes les voix de ces entités-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique. Et cela a des conséquences directes sur nos produits, parce qu'une fois que ces normes sont adoptées, si nous ne pouvons pas nous conformer, nous n'avons pas accès à ces marchés. D'un autre point de vue, il y a la réglementation. Donc, il est nécessaire pour nos pays d'avoir une réglementation qui soit à jour. Or, comme je l'avais dit tantôt, les textes datent de très longtemps, sont très vétustes. Enfin, pour parler de la protection sociale, l'aspect, parlant de sécurité alimentaire, il y a les deux aspects quantitatifs et qualitatifs. Si l'aspect quantitatif concerne la production, améliorer les rendements, etc., l'aspect qualitatif, par contre, demande une approche qui se base sur une analyse des risques. Une analyse des risques, pourquoi ? Parce que parler des risques alimentaires comme on en a connu, choléra, pesticides, viande à cheval, etc., il est important pour nos pays d'avoir des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Un système de sécurité sanitaire des aliments, c'est une autorité compétente, c'est des opérateurs privés et des laboratoires. Les autorités compétentes mettent en place les règles et les règlements à appliquer. Les opérateurs privés appliquent ces règlements et mettent sur le marché des produits conformes et les laboratoires sont chargés de faire le contrôle de ces aliments. Donc, il est indispensable d'avoir ce triangle pour avoir un système de sécurité alimentaire efficace à même de protéger la population et de permettre que les produits mis sur le marché soient conformes aux normes et soient nutritifs et soient des produits sains. Donc, enfin, je termine juste pour dire que pour avoir la compétitivité de nos entreprises, de l'impact économique que devraient avoir les produits, nos produits, c'est surtout dû à un problème de normes, à un problème d'accompagnement de ces produits-là, et à un problème d'accompagnement de ces produits-là pour qu'ils puissent être présents dans les marchés. Parce que, en analysant, bon, pour ne pas trop tirer, ne pas parler de la chaîne des valeurs, mais en tout cas, le manque à gagner est très important et souvent se loge dans des pays qui importent ces produits-là en brut pour les réexporter, réexporter chez nous. Voilà, je vous remercie, ce que j'avais à dire. Please be brief and to the point so that we will allow more people to come up. Merci, Monsieur le Président. Je suis Madame Khadifa Altal, la présidente d'une organisation des femmes de l'Afrique de l'Ouest qui travaille sur la chaîne de valeur agricole ici au Sénégal. Je voudrais vraiment apprécier la rencontre et revenir un peu pour féliciter le dernier orateur qui a mis l'accent sur la nécessité pour les chercheurs d'aller vers l'action. Nous sommes dans un continent où tout a été dit, tout a été écrit. Il ne reste que l'action, mais l'action tarde à venir. Et là, ça nous met en cohésion si on parle de la pauvreté, qu'il faut faire le lien entre la pauvreté endémique et les problèmes de malnutrition. Si je prends l'exemple d'un pays comme le Sénégal, il est un peu difficile pour le citoyen simple de savoir quel est le département ministériel qui s'occupe de la nutrition. Parce que la nutrition étant apparue ces dernières années comme étant un facteur, comme vous le dites, extrêmement important à prendre en charge, en dehors des aspects de l'UNICEF, qui, comme nous le savons, prend cette question en charge, mais pour les enfants. Maintenant, ça dépasse ce cadre. Et nous étions à une rencontre à Paris il y a quelques semaines, avec l'OCDE, où, évidemment, il y a une nouvelle initiative, parce que ce n'est pas les initiatives qui manquent concernant la sécurité alimentaire, surtout par rapport à la résilience. Je pense que tout ce qu'on a dit depuis ce matin
rentre dans le cadre de la résilience, de la capacité, en tout cas des populations, à résister aux chocs exogènes et endogènes concernant la sécurité alimentaire et agricole. C'est donc pour moi une chose qui est extrêmement importante. La population pauvre a-t-elle le choix d'aller vers la qualité ou la quantité de la nutrition? Quelquefois, c'est les deux. Il n'a ni la quantité ni la qualité. Donc ça, c'est des questions extrêmement importantes qui, ici, ils ne sont pas pris en compte par le politique. Ce qu'on a vécu en 2008 peut toujours surgir quand une population a faim et n'a aucun recours pour se nourrir. Alors que l'Afrique produit. C'est là que je vais terminer, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on s'engage vers la chaîne de valeur, la valorisation des chaînes de valeur, si l'abus de langage est permis. Essayons de valoriser ce que nous produisons, comme le dernier orateur l'a dit. Nous, en tout cas, nous avons constaté en Afrique de l'Ouest que les femmes sont dans la transformation des produits, des céréales, des produits agricoles. Qu'est-ce qu'on voit? Le PAM va importer des produits, je ne sais pas où, pour venir redistribuer en Afrique. Alors qu'on a la capacité de valoriser nos céréales, nos produits locaux et redistribuer à une chaîne de distribution correcte et pas trop chère. On peut donner l'exemple du Cap-Vert, où tous les enfants prennent une bouillie chaude avant d'aller à l'école. Ça, ce n'est pas très compliqué. Et c'est justement leur propre céréale qu'ils valorisent, ils chauffent, ils mettent du sucre et l'enfant est bien nourri. Et c'est très bien en termes de qualité de nutriments pour que ces enfants puissent résister à la faim et travailler et donner des résultats à l'école. Parce que c'est une chaîne de conséquences. Je terminerai, Monsieur le Président, cette fois-ci, pour parler de la distribution. Avons-nous fait le rapport entre ce qui est investi sur notre continent et ce qui arrive concrètement à la base, au niveau des problèmes que vous venez de souligner et qui sont extrêmement multiples et profonds? Donc, évidemment, le PIB ne peut pas refléter le niveau des investissements directs comme on a l'habitude de le voir. Donc, il y a problème que les chercheurs aussi comme l'IFPRI se penchent sur cette question et donnent des solutions, surtout au gouvernement, certainement, pour que les grassroots qui attendent à la base le développement puissent le voir venir au prix des milliards qu'on signe de gauche à droite. Il faut que ça arrive et que ça arrive vers les populations pour lesquelles ces investissements ont été faits. C'est la société civile, vous allez m'excuser, c'est notre devoir. Merci. Well, we have 5 minutes to go. Good. Well, can I... Merci. Je vais commencer par la dernière oratrice. Je pense que la gestion du temps m'a un peu perturbé. Je pense que pour vous répondre, je disais dans mon texte deux choses. On fait beaucoup de réunions qui concernent le monde rural alors qu'il n'y a pas de paysans dans la salle. Ça, c'est une chose. On l'a dit à New Delhi et je pense que c'est très, très important. Si on veut impliquer la société civile, c'est impliquer la société civile, vraiment les vrais acteurs de la société civile. Mais très souvent, on se réunit sur des thématiques sans pour autant que ceux qui sont en front line ne soient là. Par rapport au rôle des femmes, je disais qu'il est nécessaire de reconnaître le rôle des femmes dans le développement à travers la production et la transformation. Parce qu'il a été démontré que lorsque les femmes contrôlent les revenus, ça peut contribuer à la réduction de la malnutrition. Mais ce n'est pas que ça, mais il y a l'accès à la terre, l'accès au crédit, l'accès aux échanges. Je laisse tomber toute la question autour de la recherche et le développement, parce qu'on s'est rendu compte qu'entre 2000 et 2008, les dépenses nationales dans les pays de la CEDEAO, en termes de volume, pour acheter des armes, était supérieur à ce qui était dépensé dans la recherche et le développement dans l'agriculture. Est-ce qu'en ce moment, on peut dire que l'agriculture est une priorité? Donc, le rôle de la société civile, je pense que je l'ai mentionné depuis le début, et ce n'est pas pour rien que la femme qui est la présidente de la plateforme des organisations communautaires de base du Niger, qui font partie du ROPA, nous avait dit à Abuja une chose. Quand on lui a présenté un résultat de recherche sur le rôle hypocholestérolémique du gombo, la femme nous a dit que vous, les chercheurs, vous nous trompez. C'est comme si, en fait, les résultats de la recherche n'ont pas été appliqués vers ses potentialités dans la médecine traditionnelle. Alors que si vous allez au Ghana, dans toutes les pharmacies, vous verrez des boîtes de moringa aulifera
dont je ne parlerai pas de ses intérêts en médecine traditionnelle. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, c'est la disponibilité de l'offre, la stabilité de l'offre, l'accès à l'alimentation, mais surtout la diversité. Parce qu'on ne parle pas de sécurité alimentaire, mais sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui veut dire aussi bien à la diversité, mais à l'utilisation biologique. Ça ne sert à rien de donner à des enfants des aliments qui sont polyparasités, dont Dr Diane a parlé. C'est-à-dire qu'il y a des interventions qui relèvent de la santé. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma présentation aussi, ce que je n'ai pas pu dire, c'est investir dans la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né à travers le cycle de la vie, comme c'est accepté aujourd'hui. Je pense que c'est là qu'il faut se focaliser. Le troisième élément sur lequel il faudra se focaliser, c'est mettre en œuvre des programmes et des politiques multisectorielles et multidisciplinaires. J'ai commencé mon discours par la question sur le comment, et cette question de multidisciplinarité, multisectorialité, qui a été recommandée par un forum de nutrition sous-régionale, n'a jamais été, aucun modèle n'a été proposé. Dès qu'on a fini la salle, chacun est parti avec son propre modèle. Pour la sécurité sanitaire des aliments, c'est un gros problème dans nos pays. Un, il faut former assez, il faut des inspecteurs, il faut assez d'inspecteurs. Il n'y en a même pas assez en France. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé, etc., etc. C'est une question extrêmement importante et le nombre d'agents sanitaires ou de vétérinaires qui vont dans les marchés pour faire les contrôles, je suis d'avis de ce que se disait le matin en matière de recherche. C'est bon d'équiper des laboratoires, c'est bon d'avoir les infrastructures, mais il faut du personnel et motiver ce personnel-là. C'était pour répondre aux différentes questions qui ont été posées par rapport à mon exposé. Merci. Thank you, Mr. Faye. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon effectivement, de rappeler que par rapport donc, à l'intervention donc, de mon collègue de gauche, naturellement au Sénégal, de façon, les pouvoirs publics sont en train de définir, en tout cas de mener des politiques d'intervention hein, pour quand même viser les personnes qui sont dans des difficultés ou qui sont définies comme étant les personnes vulnérables. Je m'en vais, pour exemple, vous donner par exemple quelques chiffres. Hein. Au Sénégal, il y a à peu près 85 000 ménages qui vivent à peu près en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 50 % du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui vivent avec moins d'un demi-dollar par jour. Naturellement, si aujourd'hui l'État, par exemple, décide de mettre à la disposition de ces ménages, par exemple, 100 000 francs par an, à peu près 25 000 francs par trimestre, c'est dans une dynamique naturelle de tirer ces populations-là vers le haut. Mais ça, c'est une première composante en réalité. Les autres composantes seront des politiques qui seront développées, c'est-à-dire pousser ces ménages à exercer des activités génératrices de revenus, par exemple. Et tout cela, quand même, rentre dans une politique de protection sociale visant à améliorer la qualité de vie et de réduire les inégalités sociales des ménages vulnérables. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, en tout cas au niveau du Sénégal, l'expérience brésilienne est en train de se commander, on est en train de vivre, de mettre en place, l'expérience brésilienne en donnant à ces ménages-là des bourses de sécurité familiale, conditionnées à des critères hein, d'éducation, des critères de sécurité alimentaire et aussi de la santé, naturellement. Donc, c'est sur ce point que je voulais quand même un petit peu compléter mon collègue de Tcham. Je vous remercie. Just three issues. Just to stress the...